on arrive aux écluses de Fonsérane, après quelques heures de navigation. Un périple plein d'obstacles. Ah bah, des ponts. Des tunnels. Un arrêt cardiaque, tu pourrais prévenir quand tu klaxonnes. Bon, ça va, c'était pas mal, hein. C'est en vélo que l'on descend cet escalier d'eau de 312 mètres. Les 9 écluses, rien que ça, sont aux portes de Béziers, une ville de plus de 2700 ans d'histoire, dans le département de l'Hérault. Bonjour madame. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette belle ville de Béziers? Que je l'aime beaucoup. Il y a eu le passage romain, là, puisque comme Narbonne, nous avons été sous l'Empire romain. Il n'y avait pas de pont d'ailleurs. On prenait une... Et puis ensuite, après, il y a eu le Moyen-Âge, il y a eu le 12e, le 13e, il y a eu les Cathares, il y a eu. On connaît l'histoire un petit peu. Nous ne franchirons pas les 9 écluses. Demi-tour, sur le canal, sur la route du retour, le village de Capestan. Son marché, ses habitants, les spécialités du coin. On a une spécialité, c'est la zézette. La zézette. Non, vous prenez pas ça, prenez plutôt de l'autre côté. Parce que ça ressemble. C'est avec du vin blanc. Qui a une forme de, alors? De zézette. On peut le dire, quoi. Voilà. On en profite pour passer du temps avec notre fidèle compagnon, Clipper. Et se baigner dans la Cesse, qui passe juste en dessous du canal. Rappelez-vous ce que disait Francis, se baigner dans la Cesse donne de la vigueur. Enfin, on verra ça demain.